que Tristan, à part sa moustache ringarde, là, comme j'ai toujours dit, franchement, ça reste un beau garçon. Je pensais pas. À travers la télé, c'est vrai que je me suis dit que Tristan, ça allait pas être la même personne en vrai. Mais au final, c'est un très beau garçon. Ilan, il va me tuer parce que c'est un très bel homme aussi, mais je préfère Dylan Thierry. Déjà, de base, c'est mon style. Parce que moi, de base, j'aime trop les styles italiens, un peu surfeur. Donc un peu les cheveux à mi-long. Bon, ça, c'est pas grave hein, s'ils ont les cheveux courts. Mais déjà, de base, j'aime bien. Et même, moi, je le trouve très charmant, il est très beau. Et pareil, j'aime beaucoup aussi, parce que j'ai un peu... On me l'avait présenté parmi les photos. Déjà, de base, c'est lui que j'avais choisi. Et du coup, j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait dans la vie. Donc, je me suis intéressée un peu à son profil Instagram. Et j'ai vu en fait, qu'il faisait beaucoup d'aide humanitaire. Et moi, ça, j'aime beaucoup. Parce que moi, déjà, de base, j'aime faire ça aussi, de base. Donc, malgré ce que je peux projeter à travers mes photos Instagram. Alors, Ilan, c'est un très beau garçon aussi. Sauf que c'est pas trop mon style. Anthony. Pourquoi Anthony? Parce que j'aime beaucoup sa prestance. Ce que j'aime pas chez Nathan, c'est son... Il va me tuer. C'est son style vestimentaire. Alors, le style vestimentaire, je fais pas trop attention de base. Mais là, comme je dois choisir entre deux personnes, c'est vrai que le style d'Anthony, j'aime beaucoup. Ça fait style USA et j'adore. Et qu'il est grand. Et puis, on dirait un petit nounours. Il est tellement gentil aussi. Nathan, pareil. Hein. Mais c'est vrai que tout va bien avec sa personnalité, etc. Il dégage quelque chose. Alors, Dylan. Kellec, je t'aime beaucoup. Hein, mais c'est vrai que Dylan, c'est plus mon style parce qu'il se rapproche plus de Dylan Thierry. J'aime bien les garçons qui ont une petite queue de cheval. Pourquoi? Je sais pas. Pour moi, c'est un plus, c'est une attirance. Et pareil, j'aime beaucoup son accent et son style vestimentaire, j'adore. Et Kellec, en fait, ce que j'aime pas, c'est qu'il est trop grand. Mais c'est beau, hein. C'est beau, il pourrait faire mannequin, mais par rapport à moi, je suis trop petite. Et moi, j'aime pas quand je suis trop petite ou trop grande, justement. Et j'aime bien quand les garçons me dépassent un tout petit peu. Moi, j'aime pas quand je dépasse un garçon, parce que je préfère qu'on ait la même taille ou que le garçon soit un peu plus grand que moi. Et Kellec, pour moi, il est trop grand. Mais par contre, ça reste un joli garçon, voilà. Je dirais plus... Hicham. Parce que malheureusement, j'ai pas encore eu le temps de découvrir Alex. Parce que première chose, moi j'aime beaucoup découvrir déjà la personne et ensuite le physique. Le physique pour moi c'est banal. Mais là, si on devait choisir, ouais, ce serait plus Hicham. Parce que du coup, Hicham, je l'ai connu durant l'aventure et pareil, j'aime beaucoup ce qu'il dégage. Voilà. Et Alex, du coup, j'ai pas eu l'occasion de le connaître. Du coup, physiquement, ça reste aussi un beau garçon, Alex. Donc pour moi, les deux c'est pareil à ce niveau-là. Ok, alors c'est pour moi, c'est deux styles différents. Donc, je les trouve très beaux, pareil, tous les deux. Parce que Adrien, il a son style et Josh, pareil. Et Josh, que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça me fait bosser un peu à Bonnie and Clyde et j'aime beaucoup. Voilà. Et puis, Adrien, ça me fait beaucoup penser mec rebelle et tout. Moi, j'aime beaucoup aussi. Et les deux, pour moi, ils sont pareils niveau style, enfin, beauté, quoi. Du coup, oui, là, je choisis les deux, parce que j'aime beaucoup. Julien Berthe. Parce que Marvin Anthony, ça reste un beau garçon, mais c'est vrai que moi, Julien Berthe, je le trouve vraiment très beau. Et je dis pas qu'il est moche, hein, Marvin, attention. Mais c'est vrai que c'est un beau garçon. Moi, il me plairait, genre, dans la rue. C'est vraiment un garçon vers qui je pourrais me retourner, Julien Berthe. Après, c'est vrai que bon, ça coupe, j'aime pas trop. J'aime bien quand les garçons ont un peu les cheveux un peu plus longs. Mais après, les garçons quand les cheveux trop courts, j'aime pas. Voilà. Mais j'aime beaucoup ça, ouais, ce qu'il dégage, sa prestance, son style et son sourire. J'aime beaucoup son sourire. Alors, Alors, pour moi, c'est deux styles différents parce qu'en fait, pour moi, c'est les deux. Parce que j'aime beaucoup Moujdad parce qu'il fait très homme mature, etc. Et j'aime beaucoup Greg parce qu'il me fait trop rire. Et il est très beau aussi. Donc pour moi, c'est les deux. Mais c'est vrai, c'est deux styles différents, totalement. Mais j'aime beaucoup le style vestimentaire de Greg. Par contre, Moujdad, son style vestimentaire, pour moi, il fait trop homme, vieux, tout ça. Alors qu'il a un beau style, hein, mais j'aime pas trop les garçons en costard. J'aime bien les garçons un peu relax, tranquille, cool la vie, quoi.
Les deux. Je les trouve très beaux tous les deux. Ouais, ils ont. Pour moi, ils ont. Enfin, ils sont très beaux tous les deux. J'adore leur style et ouais, c'est deux personnes vers qui je pourrais me retourner dans la rue. Alan Gage. Alan, c'est plus mon style. Vraiment. Raphaël, ça reste un beau garçon. Mais c'est vrai que Alan, c'est plus mon délire. Voilà, mais ils sont beaux tous les deux. Alan, je trouve qu'il a un très beau regard et il a un très beau sourire. C'est vrai que pour moi, c'est vrai qu'un sourire, c'est très important. Ouais, ça fait le charme d'une personne. Alors, c'est Gauthier. Parce que Vivian, pour moi, c'est pas trop mon style. Mais par contre, Gauthier, oui, c'est mon style, c'est vrai, mais il est un peu trop musclé quand même à mon goût. J'aime pas trop les garçons qui sont trop baraques, trop musclés, j'aime pas trop. J'aime bien les garçons, voilà, qui ont une bonne sculpture, ok. Même les gros, hein, moi j'en trouve des très beaux aussi. Mais par contre, les garçons trop musclés, ah non, c'est trop pour moi. Mais par contre, voilà, je préfère Gauthier. Alors, Thibaut. Bastos, je dirais pas que c'est pas mon style, parce que c'est un beau garçon aussi. Mais Thibaut Garcia, non, j'ai toujours trouvé très très beau jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est vraiment son sourire, il est magnifique avec ses fossettes, j'aime beaucoup. Donc Jessica a de la chance de l'avoir parce que ça reste vraiment un beau garçon. Et même s'il est papa aujourd'hui, bah, je trouve qu'il prend très soin de lui. Enfin voilà, et pour moi c'est important. Et Bastos, moi je trouve qu'il est très très beau, mais c'est vrai qu'à choisir avec Thibaut, je préfère Thibaut. Mais c'est un beau garçon aussi. Alors c'est vrai que c'est deux styles. Alors moi c'est les deux, vraiment. Parce que Tristan. À part sa moustache ringarde, là, comme j'ai toujours dit, franchement, ça reste un beau garçon. Je pensais pas. À travers la télé, c'est vrai que je me suis dit que Tristan, ça allait pas être la même personne en vrai. Mais au final, c'est un très beau garçon. J'aime beaucoup son sourire. Mais c'est vrai que Ahmed aussi, ça va être un très très beau garçon. Et j'aime beaucoup son style aussi. Et il est très très beau aussi. J'aime beaucoup ses yeux. Donc les deux. les deux. Pour moi, ils sont très beaux tous les deux. Vraiment. Benji, j'aime beaucoup son style. Et CBDD, en fait, c'est. Physiquement, ça aurait pas été mon style, mais il dégage quelque chose dans sa façon de parler, de regarder, comment il rigole et tout. Après, il est un peu trop petit pour moi, de taille. Benji aussi. C'est vrai que les deux sont un peu plus petits que moi, donc ça le ferait pas trop. Mais ça reste des beaux garçons. Alors pour moi, c'est les deux. Je valide les deux, mais 100%. Les deux, c'est vraiment mon style. Je me retourne direct. Ah ouais, ça, il n'y a pas photo. Julien, il est très beau. Il dégage grave quelque chose, en fait. Ça m'attire trop. Et puis pareil pour Jonathan. Alors Jonathan aussi, pareil, il est super beau. C'est trop mon style. J'aime trop. Voilà. Donc les deux, je valide à 100%. Anthony Matteo. Parce que Toto, en fait, c'est pas du tout mon style de base. Après, ça peut être une belle personne, mais je préfère Anthony. C'est plus mon style, ouais, carrément. Mais Toto, pas trop. Alors, franchement, les deux. Les deux, ils sont très beaux, j'aime beaucoup. Après, j'aime pas trop les garçons qui se mettent trop en avant aussi, qui se la pètent de trop. Mais sinon, c'est, les deux, pour moi, sont impeccables. C'est vraiment mon style, les deux. J'aime beaucoup, moi, les gens qui aiment rigoler, profiter de la vie, qui se prennent pas la tête, tatatatata. Et Mathias, il me fait penser à ça, donc j'aime beaucoup, en fait, sa personnalité et même son sourire. J'aime beaucoup quand il rigole. Et très, très beau. Jonathan Matijas, parce que c'est un très beau garçon. Même si j'aime pas trop les mecs qui s'habillent trop en costard, Jonathan, ça reste un beau garçon. Il a une prestance, il est très beau. Voilà, il a des beaux yeux. Et Adrien Laurent, non, parce que c'est pas trop mon style. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'aime pas trop. Enfin, les garçons trop musclés, j'aime pas trop. Et du coup, pour moi, il est trop musclé, voilà. Top 3, je dirais Dylan Thierry. Top 2, Julien Garrado. Top 1, Jonathan Germain.